Tidiane Khouma. Je suis le DG de la société CPH West Africa, société de distribution de matériel d'irrigation, de matériel agricole et matériel hydraulique. Donc nous sommes présents dans ce salon aussi agro pour avoir beaucoup plus de visibilité au niveau des opérateurs en fait du secteur de l'agrobusiness, donc tout ce qui est exploitant agricole. Donc voilà, nous sommes une entreprise jeune, nous sommes nés en 2015 au Sénégal. Nous distribuons tout ce qui est matériel agricole, donc destiné disons à l'agriculture familiale. Nous sommes plus spécialisés sur les motoculteurs, motobineuses et motofaucheuses, destinées pratiquement aux plus exploitations. Et de l'autre côté, on a le système, tout ce qui est système d'irrigation, donc goutte à goutte, aspersion, système par pivot, enrouleur. Et de l'autre côté, on travaille aussi sur l'hydraulique, donc tout ce qui est adduction d'eau, donc pour compléter en fait la gamme. Nous sommes au Sénégal, basés au Sénégal. Nous sommes sur les deux voies de Liberté 6, en face de l'hôpital Samy Municipal. Bonjour, je me présente Hélène Calvard de la société Geldof Poultry en Belgique. On voulait faire connaître notre nom déjà, Geldof Poultry, qui est bien connu dans le monde. Et l'Afrique, pour nous, c'était vraiment c'était très important. Personnellement, je suis déjà venue au Sénégal. J'ai participé aussi à Gros, ça fait 6 ans. Mais en tant que représentante de la société Geldof Poultry, oui, c'est la première fois. Bonjour, donc je suis Eric Métayer, société Vitalac. Donc nous partageons le stand avec Hélène, la société Geldof, puisque nous avons une synergie entre les deux entreprises. Donc Vitalac est spécialisée dans la fabrication de prémix, d'aliments minéraux, d'aliments complets, de suppléments nutritionnels, ainsi que de produits acidifiants, notamment le Vitacide que l'on met en avant à l'occasion de ce salon. Donc nous sommes présents, la société Vitalac, pour 40%, 50% aujourd'hui de notre chiffre d'affaires à l'export. C'est une société familiale bretonne et donc on a développé l'Afrique et notamment l'Afrique de l'Ouest depuis maintenant plus de 10 ans. Donc, la société Vitalac donc, a été créée par Monsieur Le Calvé qui a développé justement toute cette activité sur l'Afrique de l'Ouest depuis, comme je disais, à peu près 10 ans. Et notre volonté, c'est vraiment de développer notamment toute la partie prémix et acidifiant dans les élevages et apporter aussi beaucoup de technicité, pas seulement vendre des produits, mais être présent. Moi, je suis commercial et mon objectif, c'est d'être présent dans les élevages pour apporter de la technique aux éleveurs et aussi de travailler sous forme de conférences, animation de conférences sur des sujets précis, présentation de produits ou de sujets techniques pour aider les éleveurs à se développer. Alors au niveau du Sénégal, non, on a beaucoup développé aujourd'hui sur la Côte d'Ivoire et on souhaite développer de la même façon sur le Sénégal et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, c'est nous qui vous remercions. Bonjour, je m'appelle Neifatouma Nendour, je suis technico-commerciale pour la société ici au Sénégal, qui est une filiale de la maison mère qui est ici au Marseille, qui se trouve à Marseille. Donc on est implanté ici depuis avril 2015 et notre secteur d'activité principal c'est la réfrigération, la ventilation et la climatisation. Donc on est distributeur d'équipements, on est distributeur partenaire de marques, notamment avec Bitzer et Louvet pour ceux qui s'y connaissent pour la réfrigération et la marque Siat pour la climatisation. Donc, grosso modo, on se trouve sur la route de l'aéroport. L'aéroport Léopold Sédar Senghor, on est juste sur la route. Vous ne pouvez pas nous rater, à 5 minutes de l'aéroport.
Monsieur Sen, Pamagé Sen. Donc je suis le directeur général de Spring System West Africa. Donc c'est une société américaine qui est spécialisée dans la fabrication et la conception des bus de pulvérisation. Donc là, on a différentes applications donc, dans l'agroalimentaire. Donc nous sommes là pour accompagner les entreprises dans le conditionnement des fruits et des légumes. Vous savez qu'après la récolte des légumes et des fruits, donc, il faut les nettoyer, les laver bien. Donc là, on a ce système-là donc, pour bien les laver avec une bonne pression. Et ça, c'est un système qui nous permet aussi d'économiser beaucoup d'eau et de temps aussi sur la production. Donc on a aussi des systèmes qui, pour ceux qui sont dans les industries laitières et des légumes, donc avoir des systèmes de lavage des cuves de stockage. Donc si vous avez différentes cuves alors que vous voulez changer de parfum, comme par exemple si vous faites du tar et vous voulez remplacer mettre du bissap, donc là il faut changer, il faut le bien nettoyer pour ne pas laisser des résidus. Donc là c'est quelque chose qui permet de ne pas prendre un racol ou bien un chiffon pour nettoyer. Donc c'est sûr qu'il va rester des résidus. Donc en ce moment-là, on a ce système-là donc, qui permet donc, de nettoyer agréablement la cuve à 360 degrés et en temps record aussi de 5 minutes, la cuve est bien nettoyée et puis c'est quelque chose aussi qui vous permet donc, d'économiser aussi de l'eau. Donc là, on est à Sacré-Cœur 3, donc sur la VDN. Donc on est là, ça fait pas 3 ans maintenant. On a jugé important d'être là au salon parce que c'est des opportunités. Il y a des industriels dans le même secteur. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, ils auront l'occasion de nous connaître. Nous aussi, ça nous permet de découvrir aussi les potentialités qu'il y a là. Parce que honnêtement, il y a certaines de ces structures, je vois, et aujourd'hui, je ne savais pas que ça existait. Et c'est bon à savoir. Merci, c'est moi.